recale ça. Dans ce monde, y'a tout pour y faire un monde. Du mal comme du bien, écoute. Y'a ceux qui tuent leur profite en secret, aider les gens suivants, tout le monde le sait. Car foutre commerce de langue de pute, à tout raconter car ils savent pas la fermer. Y'a celui qui va te ruiner, un jeu double jeu, car n'a fait que d'en profiter. Et ça depuis des années. Y'a ceux qui jouent les vantards, les sales prétentieux, sont passés aux yeux du monde pour des bâtards. Car envers ces personnes sont passés pour des crevards. Y'a celui qui se passait pour l'un des refrains. N'a qu'une seule idée, c'est de se faire ta gadget. J'ai connu ça, encore une plus de deux traits d'abouti. Y'a celui qui est blindé de maille, sans pas de celui ou celle dans l'allerga. Et ouais mon gars, preuve que trop de gens ne pensent qu'à eux. Gollerie quand ils sont malheureux, car n'ont aucun blé pro. Car pour eux ce n'est qu'un jeu. Y'a celle qui va te tromper, tu t'en rends même pas compte. Alors qu'à ton tu vas l'aimer. Mais sérieux c'est quoi ça, ouais je connais ta spé. Y'a celui qui va te poignarder car t'as pas voulu lui filer de garetti. Celui qui va te buter pour que dalle, c'est bien un manque de pédale. Y'a ceux qui représentent le bien et c'est souvent eux qui souffrent. Car sont trop passés pour des saints, ça craint. C'est vraiment le monde à l'envers car sont trop baisés par de gros catins. Y'a ceux qui jouent les mauvais repas, ces enfants qui grandissent dans la désolation. Car dans rien faut être heureux, ils y manquent de beaucoup de choses. Tout ça dû à une mauvaise éducation. Y'a même ceux qui les surveillent pas de près, puis finissent par se faire kidnapper. Par moments tu l'air tout noyé. Franchement faites des gosses puis assumez. Y'a ceux qui t'ont pris pour un pigeon, et même de ceux qui t'ont mis en garde. T'en fais qu'à ta teuté, mais voilà, t'as fini par te faire enculer. Y'a tous ceux qui jouent trop les faux gueux, ceux qui parlent par derrière, celles qui te larguent par SMS, ou tous ceux qui te clashent sur internet. Sérieux d'un montrant rempli de tapette. Y'a tous ceux depuis bien longtemps qui n'ont pas eu de relation. Tellement on manque se mettre à violer, torturer. Mais c'est quoi ça mérite de tous cramer pour ces actes de lâcheté. Y'a celui qui vient chez toi, fait comme si de rien n'était. Se sert dans ton frigo, fout tes placards. Alors que rien que pour toi, t'as minimum pour vivre. Y'a celle qui te dit qu'elle est folle amoureuse, qu'avec toi elle est trop heureuse. Mais te quitte à la première occasion car a trouvé mieux que de sa bichetot. Car difficile d'y trouver la vraie fidélité. Y'a celle qui a peur de quitter son club pour éviter de te faire taper. Car sinon c'est pas du vie de tout temps se cacher. Mais faut savoir qu'il y en a qui peuvent les protéger. Car les nerfs éclatent pour toutes ces buts qui vont jamais respecter. Y'a tous ceux qui cherchent du taf, qui se motivent mais n'y trouvent aucune place. Après ils s'étonnent qu'il y ait beaucoup de chômeurs. Et puis quand tu vois qu'ils embauchent des gens qui ne sont pas sérieux, ne sont pas à l'heure, sont souvent en arrêt. Putain à croire qu'ils sont indispensables. Y'a ceux qui vont t'aimer un film d'horreur ou autre genre ciné. Et s'amusent à imiter ce qu'ils ont vu en faisant des meurtres, course poursuite, cascade. Et j'en passe, braquage, toutes ces casses. De toute façon y'a trop d'abus. De toutes celles qui vont pleurer, ces guerres qui vont se déclarer. Mais pourquoi pour faire chez le monde, de tant de larmes à verser, de sang à couler, de souffrance à se propager. Et ça les fait bander à tous ces polos de voir ça et d'y avoir participé. Sans oublier tous ces fils de pute qui s'amusent à torturer de pauvres animaux. Et après se prennent pour des nimpos. Y'a celui qui vient de sortir de placard, se la fête et se prend pour un dieu. Sans savoir qu'il a pu subir comme sacrifice et supplice. Ça il vous le dira jamais. Y'a tous ceux qui se prennent pour des caïds, des charmés. Mais à nos yeux se font passer trop pour des branleurs. Et ouais, y'en a qui aiment bien jouer les comiques. Pour nous jouer un rôle, devrait trop s'inscrire dans les arts dramatiques. Y'a celles qui ont vécu de sales passages dans le passé. Et c'est à quelqu'un de bien qu'elles vont se venger. Y'a tous ceux qui n'en ont pas une et font le double voire le trip de celui ou celle qui tripe du matin au soir. Putain d'une vie qui nous prend plus du noir. Y'a tous ceux qui se mettent à plusieurs sur une personne. J'te jure, une bande de piranhas qui attaquent en deux groupes. Mais font trop les victimes quand ils sont seuls tout. Y'a celui qui mettra fin à sa vie car rien ni personne n'était hâle pour lui venir en aide. Y'a tous ceux en mode bisoutage, moquerie, ça fout la rage. Se mettent à critiquer, torturer de pauvres personnes, des handicapés. Car s'en battent du moment qu'ils ont la santé. Et ouais, putain, ouvrez vos yeux et regardez dans quel monde on vit. Ou dirais-je dans celui où on survit. Y'a de tout sur cette planète que de calamités, de défaites. Y'a vraiment de tout pour y faire un monde. Et plus les trois quarts représentent un côté immonde, un côté où ça devrait même pas exister. C'est comme as, on n'y peut rien, ça fait pitié d'y voir tant ce monde carbonisé. Recalcum.